I love pesto. And I buy my pesto pre-made at the grocery store. Every time this fact comes up in a conversation, which it does surprisingly more often than you would think, people keep telling me I should start making my own pesto. Sit comfortably and get yourself a cup of tea as well, because Big Daddy Van is gonna tell you a story. One of those days where the conversation about me making my own pesto came up, I was at my friend's. And as usual, I was finding excuses, like, where do I even find basil seeds? What am I gonna do with it? She told me, actually, I have a bunch of basil there on the balcony. You can just take a little branch and you put it in water. It's gonna make roots and you can plant it after. I had no more excuse at that point and it seemed pretty easy. So I went out, I ripped a branch of the basil and I brought it back home, put it in a glass of water and I forgot about it for the next 2 weeks. Eventually, it had made roots, a whole bunch of them was pretty impressive, so it was time for me to plant it. That day, I go to the hardware store to find a pot and dirt. I do find the pot, but there's absolutely no dirt there. Like, they have everything for gardening but dirt. I go to another bigger store and I go to the dirt section, which is like outside. And that day I discovered that dirt is a much deeper topic than I expected. There's like all kinds of dirt for very specific purposes. Like you have indoor dirt, outdoor dirt, dirt for grass, dirt for premium cactus, pro dirt, whatever the fuck that means. And they were all like 10 bucks or more for a single bag of dirt. You know when we say dirt cheap? Well, whatever dirt you reference when you say that, I want that dirt. So I go back inside in the plant section and I ask the woman there, like, what kind of dirt you have? And you know, she asked me, like, why do you want dirt in the first place? And I tell her the whole story about the basil, how I cut a little branch, put it in water to make roots, and now I want to plant it. And she was like legit impressed when I said that. Like, apparently it's not supposed to be that easy. Anyways, she tells me since basil is a tropical plant, I could use the pro miracle tropical soil mix. And that day I learned that basil was a tropical plant. I had no idea. When I look at basil, it's like the least tropical thing I would expect. When I get back home, I go on Wikipedia to do some fact checking. And the first thing on Wikipedia is, basil is native to tropical regions from Central Africa to Southeast Asia. Fair enough, little tropical plant. And now I'm there, I keep reading the article, and at some point they say, depending on the variety, plants can reach between 30 centimeters, about 1 foot, and 150 centimeters, 5 feet. And I'm like, oh my god, you can have a 1.50 meter basil tree? And at that precise moment, my whole purpose in life had changed. My goal wasn't to make pesto anymore, I needed a 1.50 meter basil. But first, I had to plant the basil. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo jardinage de la chaîne. Alors, comme tu peux voir, l'autre jour, j'ai récupéré un petit basilic, là. Voilà, je l'ai mis dans l'eau. Et en une semaine ou deux, là, il m'a fait des petites racines. Et du coup, il devrait être prêt à empoter. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un pot, voilà, ici présent. Et du coup, bah, on va lui mettre un peu de terreau là-dedans. Et on va empoter le basilic. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Alors j'ai acheté ce terreau là. À la base je voulais du terreau vraiment de base tout usage et ils avaient pas parce qu'on est le 1er octobre et en fait je suis vraiment le seul connard à essayer de faire du jardinage à cette heure là de l'année. Et du coup bah ils m'ont vendu un terreau mélange pour plantes tropicales ou quelque chose comme ça qui apparemment est beaucoup mieux. Donc du coup on est sur un terreau de luxe pour mon petit basilic. Donc il va avoir vraiment le meilleur environnement pour grandir. Et du coup bah, on va s'occuper de ça instantanément. Alors le problème sans avoir de peine c'est que ça risque d'être un peu le bordel. Pour l'instant, on est quand même sur un travail relativement propre, incroyable. Très très peu de dégâts pour une opération comme ça. Hein. Voilà. Et ça filme encore là, j'imagine. J'espère. Hein. Putain, bien sûr, on voyait absolument rien. Le mec, il parle de jardinage, évidemment, c'est pas cadré, tu vois. Regarde-moi ça, il m'a fait des belles racines. Quand j'ai trouvé le terreau au Home Depot, la meuf, elle me dit, tu vois, je lui explique un peu la situation, elle me dit, ah putain, tu l'as mis dans l'eau, t'as réussi à avoir des racines et tout, apparemment c'est exceptionnel, hein, c'est pas supposé, enfin ça l'a surpris quand je lui ai dit qu'il a fait des racines, regarde-moi ces belles racines, là, c'est magnifique. Donc, bah tant mieux, on verra ce que ça donne, là, il devrait avoir de quoi partir, tu vois, puis là, on va reboucher, là, il est vraiment, vraiment à l'aise, hein. Hop, 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 là, il a bien à bouffer, c'est bien, c'est aéré, c'est un terreau de très très bonne qualité, apparemment, c'est un terreau hipster, un peu premium et tout. Donc là, en termes de basilic, s'il est pas content, je sais pas ce qu'il lui faut, tu vois. Ouais, je lui chanterai des petites berceuses le soir avant de dormir et tout, il va très très bien se porter, là. Puis d'ailleurs, on peut l'arroser tout simplement avec l'eau dans laquelle il a germé, hein. I put it next to my brightest window, and I let it grow.
Voilà, on va le prendre, puis on va l'amener quelque part au soleil. Donc de ce côté-là, c'est de l'appartement, c'est un peu plus lumineux normalement. Si on peut le mettre sur la fenêtre, hein, écoute. Hop, petite jardinière, ça te permettra de l'accrocher sur le balcon, mais là c'est pas très utile, donc je l'enlèverai temporairement. Et voilà, c'est pas mal ça les amis, on se fera une petite update basilique dans très peu de temps, à plus. And then I remembered those fancy Japanese cows, you know, the ones that make them listen to classical music, and apparently it makes the steak so much better. So I did that as well. Before going to bed, I was taking my guitar and singing him little songs. I made a review on this guitar, by the way, you can check it out here if you're interested. I also introduced him to la chanson française. And all of that worked really well, it grew up fast and got pretty big, and it's just been a couple of months. It's already 45 centimeters right now, so nearly one third of the objective of 1.50 meters. So that's it for today, I'm super proud of my basil, it's really solid and I can't wait for it to reach the roof. I hope you enjoyed this little story, don't forget to like and subscribe, and more importantly, have an awesome day, and I'll see you in the next video. Peace. Là, ça va pas focus du coup. Est-ce que t'as focus? J'imagine que depuis le temps, il a focus. On verra. Ça, au pire, on le coupe, tu vois, c'est pas très important. Au calme. Là, on a tout ce qu'il faut. Putain, c'est stressant, mon gars, quasiment. On va tout refaire anyway, parce que voilà, zoom 005, parce que le putain de feu s'était arrêté, il avait lag. Du coup, après, tu comprends pourquoi j'ai l'air de mauvaise humeur sur mes vidéos quand il se passe des conneries comme ça. I love pesto. Oh, oh parfait, ça en caméra, nickel. I have a video on this guitar, by the way, you can check it out here. C'est pas là, c'est plutôt... Tout est good, il y a juste que le son... Ah bah voilà, c'est bon, voilà, c'était pas bien, bah là, voilà, maintenant c'est parfait, hein, putain de t'es mort. Ah oui, putain, il a bougé de ouf. Je recadrerai derrière, c'est pas très grave. Y'a rien qui est parfait hein, dans la vie, c'est toujours comme ça.